Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. On a l'abondance. Ok. On a une personne qui n'arrive pas à se dépatouiller d'une situation ici. Une personne, tu vois, qui veut se libérer d'une relation ou de quelque chose, mais il y a une histoire, tu vois, comme de il faut qu'on le dise, hein. Il y a une histoire de finance dans l'histoire, d'accord, qui empêche à cette personne de partir. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui est en train de prendre une tournure, mais c'est vraiment du n'importe quoi, depuis un bon petit moment, hein, depuis l'automne. Donc l'automne, limite, j'ai envie de te dire, ça fait presque un an, la personne, elle est dans ça. Hein? Bon. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. On a l'évolution. On a le désert. On a l'été. On parle réellement, vous voyez, comme d'une personne qui réalise que, oui... Ça fait presque un an que je suis dans ça. Ça fait presque un an que rien n'a bougé. Ça fait presque un an, en réalité, que j'essaie de me dépatouiller d'une relation, mais que je n'y arrive pas. On a quelqu'un, tu vois, qui veut faire avancer sa situation, mais c'est la personne, en réalité, qui finit par ne plus croire en elle. Ne plus croire, tu vois, qu'elle aura la possibilité, hein, de se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, en face d'une personne avec qui peut-être... Il ou elle sera réellement, tu vois, dans la joie et dans le bonheur. Mais attends, je comprends toujours pas pourquoi on dit ça. On a la consultante, on a le voyage, on a le printemps et on a la clé. On a l'impression ici, vous voyez, que si on nous montre ça, c'est parce que c'est une personne à qui vous avez apporté des solutions depuis la période du printemps. Ça peut être ce printemps-là, ça peut être le printemps d'avant, vu qu'on voit qu'elle est, on va dire, cette personne branchée, focalisée sur « je vais me séparer de tout ça ». Et on a vraiment cette impression ici que ce sont tes mots ou ce que tu as pu sortir à la personne qui l'aide, on va dire, comme à rester debout en ce moment. C'est réellement ce qui lui permet, on va dire, comme de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner. Mais pour moi, plus de garder espoir dans les temps difficiles. On a la patience. On a une personne qui est en train de laisser sa santé dans quelque chose. Une personne, en réalité, tu vois, qui... On a le travail, on a le message, on a les projets. Et c'est une personne bien, ça. J'ai vraiment cette impression ici que c'est la personne, tu vois, qui se dit à chaque fois, ben, allez, je fais preuve de patience, les choses vont finir par se débloquer. Hop, il y a un truc qui lui tombe sur la tête. Elle continue à avancer, cette personne. Elle se dit, c'est bon, je vais m'en détacher cette fois-ci. Hop, il y a encore un truc qui lui tombe sur la tête. Et j'ai vraiment cette impression, en réalité, que c'est ce que cette personne, elle veut partager avec toi. C'est vraiment le côté où j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de bouger de ça. J'ai envie de changer de vie. J'ai envie de me retrouver dans une situation différente. Je n'arrive pas à le faire. Je ne pourrais pas le faire seul. Puisqu'en réalité, on voit avec la carte de la solitude ici que c'est une personne qui... Alors déjà, on a l'impression que c'est la personne qui gère tout, hein, dans la relation, mais que c'est la personne qui peut être très seule ou en tout cas très peu entourée. On a l'amour, on a les préoccupations. Et c'est une personne qui sait que la situation, elle t'embête. Et c'est une personne qui sait, en réalité, tu vois, que la façon dont elle a d'avancer aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut énormément te mettre dans le doute, dans l'hésitation. Et j'ai une personne qui va venir et une personne qui va... Bon, écoute, on va se dire les choses. On va se dire les choses puisqu'en réalité, j'ai essayé de faire seule, mais j'y suis pas arrivée. J'ai essayé, en réalité, comme d'avancer, de faire le nécessaire pour moi, de mettre des choses en place pour que je puisse me dépatouiller de cette relation-là, mais j'y arrive pas, en fait.
C'est la personne en réalité qui a été trop fière, peut-être sur le moment, ou qui s'est dit hein, tout simplement, bon, je me suis mis ou mise, tu vois, dans cette situation, ben, je vais en sortir seule. Mais c'est la personne qui réalise peut-être qu'elle s'est surestimée. On a une personne qui va te parler, une personne qui va te dire les choses franchement, puisque on sent ici que c'est une personne à qui tu avais déjà apporté des solutions, ou tout simplement une personne à qui tu avais déjà proposé ton aide, mais une personne qui a pu tout simplement refuser l'aide que tu lui apportais. Donc aujourd'hui, c'est la personne à bout de force, c'est la personne qui... Écoute, je ne sais pas vraiment comment je fais pour rester debout, mais je suis debout, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc si tu peux me prendre la main avant que je sombre, cette fois-ci, je suis d'accord. On a la décision, on a le retard, on a le secret, on a le nom, on a les nouveaux horizons, on a le rendez-vous et on a le foyer. Pour certains ici, on a tout simplement, vous voyez, comme une situation où on n'a pas quelqu'un qui s'attend en réalité à ce que tu l'aides, à ce que tu lui tendes la main. On a tout simplement une personne, tu vois, qui a besoin de soutien. J'attends pas que tu me donnes quoi que ce soit, j'attends pas que tu fasses quoi que ce soit pour moi, j'ai tout simplement besoin de soutien dans cette période-ci. Une personne qui a besoin de savoir, tu vois, ben, qu'elle a à ses côtés, tu vois, une personne sur qui il ou elle peut compter. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est toi qui sors cette personne, tu vois, de ces périodes de brouillard. À chaque fois, en réalité, c'est toi qui lui permets de réaliser que, regarde, il y a encore de la lumière, il y a encore des possibilités de faire, on va encore changer les choses. Et c'est pour ça qu'elle revient vers toi. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut te faire confiance, c'est parce qu'elle sait, cette personne, que tu ne voudras certainement pas la voir, vu la relation, ou en tout cas la dynamique hein, qu'a pris votre relation. Mais aussi le fait, tu vois, que cette personne-là, ben, elle soit en relation, mais éclaire-moi comme tu as l'habitude de faire, apporte-moi, j'ai envie de dire, des infos comme tu as l'habitude de m'en apporter, puisqu'en ce moment, j'en ai juste besoin, tout simplement. Vous verrez en réalité, vous voyez ce que vous ferez de cette situation. En tout cas, on nous montre que c'est la possibilité pour vous, voyez, comme de partir sur quelque chose de nouveau avec cette personne. D'accord? Que ce soit une amitié, que ce soit... Tu la mettras dans la case que tu veux. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.